Bonjour, soir, bon niveau, appétit et bienvenue de retour sur Youpi Psycho. Et la dernière fois, on avait battu un boss et c'était dur. Enfin, c'était long. Enfin non, j'ai surtout fait de la merde. Mais donc voilà, il est mort le soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a terminé l'aventure, on a plus rien à faire. Tiens, je vais regarder, on va jeter un coup d'œil à la caméra. C'est une caméra de surveillance, le même que celle qui se trouve dans tout le bâtiment. D'accord. Oh! Oh! Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit dans le bâtiment où il manquerait une caméra? Genre, sur l'un des... Oh! Les interférences qu'il y avait sur certaines caméras ont disparu! Oh! Oh! Incroyable! Bah, c'est justement ce que j'allais dire. Oui? Non, ça va. D'accord. C'est très rassurant. Donc, j'imagine qu'il faut aller à l'étage 2. Donc, j'allais dire, ça se trouve, bah, il faut installer une caméra sur l'un des moniteurs qui avait des interférences. Ça pourrait être le cas. Là, il y avait quelque chose ou pas? Ah oui, non, on ne voyait pas. Oh, regardez, je suis l'employé du mois. Ça y est, ça affiche. Oh. What? 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 Comment ça? C'est quoi? C'est un tableau qu'on voit là? D'accord. Ou alors il y a un truc dans le placard. Mais c'est quoi ce fil? Ok. Attends, tu me remontres? Est-ce qu'il nous remonte la même vidéo à chaque fois? Non, hein, c'est bon, on l'a vu une fois, ça suffit. Tac, et Cam 2, il nous dit, ouais, bah, placard. Ça a l'air d'être un tableau, ce qui est au milieu de l'écran. Bon. Vous savez quoi? Comme j'ai une mémoire de poisson rouge de merde... C'est-à-dire que c'est une mémoire de merde pour le... Selon les poissons rouges, c'était pour dire. Donc, je vais le marquer, ce qu'il y a à faire. Donc, caméra, point d'interrogation. On va mettre... étage 2... berceau, cradle en anglais, et étage 5, objet sous plante, plus, c'est quoi, c'est une étagère? Non, c'est pas une étagère, c'est un placard. Placard. L'interrogation. Voilà. C'est les trois trucs qu'on a vus. Vous savez quoi? On va revoir toutes les cams. Donc ça, c'était le 5. 5, du coup, on l'a vu. Huh. C'est moi ou la cam 1 filme la cam 1? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par ça, par là? Pourquoi il y a des bruits chelous? Oui, d'accord. Je peux pas faire action sur lui. Alors, il y avait un truc que je voulais faire en plus. C'était... Tiens, j'ai combien de piles? J'ai qu'une pile, il va falloir que j'accélère. Il y avait un truc que je voulais faire en plus. C'était refaire les anciens niveaux. Pour essayer de voir si j'ai pas débloqué quelque chose. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, on avait traversé... Enfin, là où il y avait le gobelin. Enfin, le gobelin de la forêt. Juste avant le gobelin de la forêt, il y avait un mec sur une barque. Et... Il y avait un mec sur une barque. Et après, il a disparu. Alors, je me demande si ça aurait pas fait la même chose dans les niveaux. Genre, les niveaux ont légèrement changé, et genre, à la place, il y a des cassettes à regarder. Vous voyez, le genre... genre débloquables. On voit la caméra sur la vidéo filmée par la caméra, elle se filme elle-même. Oui, oui. Ouais. Non, bah, en vrai, la caméra, elle prend place là où le joueur regarde. Ça se trouve, on est une caméra, en fait. Et ça, c'est ouf. Une caméra narcissiste.
narcissique. Kill the witch. Donc là, il y a rien de nouveau. Non, hein. Peut-être qu'il se passe quelque chose si on regarde la caméra et avec le rouge. Genre maintenant qu'on a remis des piles et tout. Comme celle des chiottes. La caméra des chiottes ? Une caméra dans les chiottes ? J'aime pas la musique. Ah ouais, tiens, elle ! On l'a toujours pas aidé ! Bah j'ai pas réussi à atteindre le 4. Ah, tiens, une VHS vierge ! Ah 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 ! Donc bizarrement, vous avez une cassette suspecte entre les mains. Quelle coïncidence ! C'est pas suspect, elle est vierge, y'a rien dessus. Ah, je vois ! Vous essayez de me tromper avec de fausses preuves qui ne mènent nulle part. Je pense qu'il est préférable... Peut-être moins fort aussi, de faire moins fort. Je pense qu'il est préférable que j'utilise la cassette pour enregistrer une conversation à partir des caméras. Oui, mais c'est la 4 qu'il faut enregistrer ! Je peux pas passer ! Je sais pas comment on fait brûler la 4. Et j'ai plus de piles. Bientôt. D'accord, y'a rien. J'ai encore une pile. Je suis à combien de pourcentage ? 34. Ok. Je sais pas à quel point ça s'use vite les piles des... Oh merde. Les piles des lampes, de la lampe. Les piles pour la lampe, pardon. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est... Je vérifie hein, s'il n'y a rien dans les placards. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est... changer les piles de la télécommande et les reprendre derrière. Putain, gâcher deux piles pour ça. Alors... Donc 2, ça s'est fait. On a vu la 3, n'est-ce pas? Non, on l'avait pas vu. Enfin, on l'a pas revu. D'accord, bon, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu. Petite musique sexy. Comme TARDIS. Oh, il est revenu tout en haut, oui. Ah bah non, j'avais déjà... Non, non, oui. Mémoire. La 1. Incroyable. T'as vu le robinet, on dirait une bite. Ok. Ansel ! Les bizarres, ton jeu. Ouah, qui est bizarre ! Comment vas-tu ? Y'a rien, y'a rien. Et encore, si tu trouves que ça, c'est bizarre... T'as pas vu le reste. Zéro, rien, toujours rien. Toujours rien. Il y a des... C'est pas la seule porte dans le bâtiment à avoir du rubalis dessus, là. Je suis sûr qu'à un moment, on va choper un couteau, un coutal, pardon, et pff, hop, on va couper ça, et puis on pourra passer la porte. Parce que, évidemment, sans couteau, hein, on ne peut pas enlever de la rubalis en plastique de 1 micron d'épaisseur. Sérieusement, il n'y a rien d'autre, là ? Je suis encore au boulot. Ah, courage. Poutou de soutien. Un poutou de soutien. Comme un Philippe de soutien. J'arrive pas à aller à droite. Ça m'énerve. Je suis énervé. Je n'arrive pas à aller à droite. Peut-être que maintenant... Ah, ça clignote. Ouais, ça, j'ai utilisé une pile. Peut-être que maintenant qu'il n'y a plus le mec, qu'il n'y a plus Mr. Black... Tiens, bah tiens, j'ai pas regardé celle-là. Tiens. Vous aimez le vert ? C'est peut-être là hein, qu'il faut remettre la caméra, hein, étant donné que c'est la seule d'une couleur différente. Et qui n'est pas... changé. Donc il faut peut-être aller à l'étage 6. Caméra, point interrogation. Étage 6. Point interrogation. Ah bah non, mais je suis con, l'étage 6. Ah oui, non, l'étage 6, c'est là où on peut pas aller. Eh, mais remarque, étage 6, c'est peut-être l'étage... C'est peut-être l'étage, l'inter-étage, là, le code cloche 6664. Toujours rien. Sauf que tu peux pas aller au 6. Ouais, ouais. Attends, je me remets dans l'ambiance. Et j'essaye de me souvenir. On va voir si vous avez au moins une bonne mémoire. Comment s'appelle le personnage principal ? Même moi, je m'en souviens. Ah ah ! 8. Ah oui, c'est l'autre connard. 9. Navet blanc. Yes. Navet blanc. Oui.
Navet blanc qui, en fait, en français, devrait s'appeler... Ah, yes, du tout, il s'en souvient. Pasternak. Oui. Mais j'ai plus son prénom. Un panet. Un panet, pas panet. Un panet. Un panet. Brian in the kitchen. Brillant Pasternak. Non, hein, je frôle les murs, je gratte les murs, mais je trouve rien. Hein. Peut-être si je reviens dans la salle ici... En fait, il y a un mur où je peux y aller. Il existe un monde où je peux y aller. Ah tiens, je peux y pousser. Hein. Enfin, non, mais arrête. Je veux juste faire action. Eh, c'est... Non. D'accord. J'ai rien dit. Rien de rien. Ah oui. Télé chelou. Ah, télé chelou qui n'est plus chelou. Ah. Pasternak, ça veut dire navet blanc qui veut dire panais. Ben, Pasternak... Pasternak, apparemment, en hébreu, ça veut dire radis blanc. Navet blanc, pardon. Et quand j'ai regardé sur internet, en fait, c'est pas radis, c'est pas navet blanc que ça veut dire, mais plutôt panais. Donc en fait, ce serait une plus ou moins une... Ou alors c'est une traduction littérale, j'en sais rien. Bon, on s'en branle, c'est juste que là, j'essaye de meubler, parce que je cherche des secrets que ça se trouve, il n'y a pas. Eh, mais regardez, il y a un fil qui... Ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh! D'habitude, je vois un minimum, quand même. Bon. Ok, Zou. Cassos. Tant pis. Je me disais qu'il y avait peut-être un passage vers le bas, ici, pour accéder au truc 4. Mais je sais pas comment accéder à la caméra 4. Et ça me... Petit peu. Pasternak, c'est comme Navek, et comme Panek, et comme Zelda, et comme Mario. Oui. Un petit peu. Non, je veux pas aller là. Je veux aller à l'autre. Exactement. Je vois que tu as très bien saisi le monde du jeu vidéo. Ok. Bon, bah, je sais pas. Ah oui, non. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Non. Notre pote, quoi. Tiens, il est encore là, lui. Laissez-moi seul. Salut mon pote. Je vais peut-être... je t'achèterais bien des piles en vrai. Attends, j'ai combien sur moi? Parce que je crois que j'ai gagné de l'argent, non? J'ai que 100 balles. Oh. Ah mais oui, c'est vrai, je voulais 1000 balles. Tiens, je peux le voler. Oh, chais. Je l'ai évidemment pas volé, hein. Je lui emprunte. Hey. Oh. Alors qu'une tranche de fromage... Eh hey mec, on a de bonnes ondes, mais ne t'approche pas de cette porte. Pardon, excuse-moi. Bisous. Voilà. C'est bon. Eh, hey, mais ça se trouve, c'est derrière cette porte qu'il y a l'accès vers le 4. Oh, je veux savoir. Pourquoi il y a un truc pour se cacher ici? J'aime pas ça. Y a rien. Non, bah c'est tout, hein. Il y a de la... Encore une porte à rubalise. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui est comme Dark Souls, bien sûr. Oui, Dark Souls, mère de tous les jeux. Alors, on va commencer par l'étage 2, le berceau... Non, je vais commencer par l'étage 5. Salut. Alors, la clé. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit une clé. Pour moi, ça pouvait pas être autre chose qu'une clé là-dedans. Une clé sanglante. D'où peut venir cette clé? C'est fou, hein. Vous avez vu comment le jeu vidéo a parfois ses logiques. C'était sûr que c'était une clé. Bon, en même temps, sous un pot de fleurs, on a tendance à cacher ça. Bon, excuse-moi, je parle beaucoup. Excuse-moi, YouTube. Alors, placard de l'étage 5. Alors, ça m'étonnerait quand même que ce soit le placard qui se trouve dans... dans mon bureau. Ouais, le placard qui se trouve dans un bureau. Non. Parce que il y avait l'air d'avoir un poster. Il y avait l'air d'avoir un poster là où la caméra était.
Qui a déjà caché une clé sous un pot de fleurs IRL? Moi. Ah bah oui. Évidemment. Ah maman, j'ai pas mes clés, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je dois partir, tu peux... Ah mais comment on fait? Bah je te mets la clé sous le pot de fleurs. Ouais, sous un caillou, enfin des trucs, voilà, tu vois, des trucs à la con. Bah le pot de fleurs ça marche. Hé, hey, attendez! C'est une table avec plusieurs bougies en plastique, il écrit « Vous pouvez faire une offrande à la plus sainte des saintes. » 5 crédits, paf, j'ai dépensé 5 crédits. Voilà. Et si on dépensait ça sur tous les trucs? Pouette, à la pouette, pouette. En vrai, non, ça vous choque, ça vous... À un moment donné, il va y avoir un screamer sur ce truc-là et je vais hurler. Obligé. À un moment donné. On fait souvent ça chez moi. Mais oui, bien sûr, c'est... Je veux dire, c'est une logique implacable. Ça ne s'ouvre pas. Et dire que je suis l'employé du mois. D'accord. Je peux rentrer dans les autres ou pas? Oh! Oh! J'y suis jamais allé... Oh, il y a celle qui m'avait fait peur la dernière fois. Là. Il n'y a rien. D'accord. Oh putain, mais du coup, une pile! Allez, on va fou... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tac, ah, attendez, parce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi, évidemment. Objet... C'est... aller... à... Comment on appelle ça? Bouffe. Aller à bouffe. Oui, parce qu'il faut que je convertisse un petit peu tous mes trucs, là. 30 balles! C'est un article financier datant de mai 1971, découpé par quelqu'un. Fluctuation rapide et imprévue des actions de Sintra Corp, un des meilleurs investissements de la décennie, a remis en question l'efficacité des meilleures bourses du monde. Les experts pensent que si cette situation perdure jusqu'à la fin de l'année, la communauté internationale pourrait entrer dans une phase de récession sans précédent. Oui, d'accord. Vous obtenez une feuille. Cool. Des nouilles sèches. Nice. Allez, on va parler aux gens. Bonjour, comment allez-vous? Ok, tout va bien. Super bien, hyper bien, méga bien, ultra bien. D'accord. Celle qui m'avait fait peur la dernière fois. Salut Rostov, c'est ça? Oh, bonjour mon chou. Comment vas-tu? Et ton premier jour se passe bien? Disons que ça pourrait aller mieux. J'ai vu que tu as l'air un petit peu perdu pendant le meeting. Si tu veux, je peux t'expliquer tout ce qui se passe à notre étage en peu de temps. À part les zombies, tu as Sosa et Mappy. Elles sont très aimées, amies, aimées, amies. Mais elles ne se parlent qu'entre elles. Je pense qu'elles sont en couple, parce que parler à si peu de personnes cache forcément quelque chose. Enfin bon, tu connais déjà Sosa. Mappy, puisque tu le demandes, est encore pire. Et tu as vu son visage? La pauvre fille a sûrement un problème de peau. Et puis il y a ce serpent qu'on voit juste là. Alors? Je pense qu'elle peut nous entendre. Bien. Tu sais qu'avant, nous étions amis. Enfin, je ne t'en parlerai une autre fois. T'approches pas trop d'elle. Il y a aussi le collège du monde, enfin. Il a déjà eu un contact direct, si je puis dire. Oh, oh, oh. Il aspire à la grandeur, mais il a une position mine. Peut-être même inférieure à la nôtre. Et Hugo? Oh, Hugo, c'est le pire d'entre eux. C'est un porc, un goujat. Un farceur sans aucune grâce ou distinction. Mais il est dans cette entreprise depuis longtemps que nous, tous. Il était là avant que j'arrive. Donc si tu as un problème, c'est celui qui connaît le mieux l'entreprise. Et il est toujours prêt à aider les autres. Regarde ça. J'avais des problèmes de sommeil et Hugo m'a donné des pilules. Un vrai remède miracle. Wow. T'es une grosse cerne. Tu veux que je donne les pilules? Ouais. Eh ben merci. Ça va bien te servir. Même si je dors à point fermé d'habitude. Prends-les tout de même. Tu ne sais pas ce que c'est que dormir tant que tu ne les as pas essayés. Des somnifères. Excellent. En parlant d'Hugo, c'est son anniversaire. On organise une petite surprise partie à la cafétéria. Oh. Oh. Je passerai peut-être. Je verrai si j'ai le temps. Pardon? C'est ton collègue le plus proche. Tu dois venir et plus de ça. Tu dois nous aider à tout préparer. Tu ne pourras pas t'enfuir, mon chou. Je t'ai prévenu. Oui, madame. Ok. Ça marche. Pas un truc, là. Bonjour, comment allez-vous? Je ne peux pas, j'ai dit non. Je suis désolé. Non, mais non, c'est impossible. D'accord. Ah, c'est elle, la meuf, là. D'accord. Pasternak, tu es un homme de chair ou de sang? De sang. Oh, j'attends beaucoup de toi quand le temps sera venu, Brian. Moi, je suis un homme de sang aussi. Tais-toi, idiot.
Ouais, des bisous. Ok. Alors. Oh mon dieu, c'est Guenièvre. Quand elle veut jouer Cassandre. Oui. C'est... On n'y était jamais... Ah si. C'est de la merde. J'aime ce... Je ne vois pas grand chose... Alors est-ce que c'est là? C'est vide. Incroyable. Vous avez vu? Là par contre, il rentre pas dedans. Il dit juste, c'est vide. Je ne retournerai pas là-bas. Oh! C'est pas marrant. Bon bah du coup, je sais pas où se trouve cette caméra à la con. Je sais pas du coup ce que c'est... Ah! Eh hey, oh! Je... Si, je suis allé au F, non? Je suis pas allé au F. C'est fermé à clé. C'est fermé à clé! Attendez. Oh! 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 Non. Je vais fermer la porte à clé. Oui. Je devrais peut-être remettre la clé en place. Non, attends. Attends, j'ai rien fait. Attends, attends deux secondes. J'ai rien fait. Tiens. Voilà, visage et on y retourne. Tu peux ouvrir le F avec la clé? Eh bah voilà, bah tiens, Chou qui le demande. Incroyable. Ah. Les bonnes ambiances. Ça y est, ça recommence. Pourquoi il y a 20 millions de morts, là? She. Elle. C'est vide. J'ai 4 crayons, nickel. Je peux pas aller en dessous? Non. Ok. Je tendance à chaque fois à l'utiliser quand, quand c'est rouge, mais je peux pas l'utiliser quand c'est vert? Non. Ok. Ouais, je m'en doutais. Des nouilles sèches. Oh! Ok, je peux passer par là, visiblement. Y'a rien. Y'a rien. Ok. Elle. Voilà. Cet employé porte une pancarte qui dit « N'approchez pas d'ici si vous ne voulez pas finir comme moi. » Alors, attends. D'accord. Oh! Y'a une teupeur. Je veux ouvrir tout. Je veux ouvrir tout. Deux piles. Yes. Bon, chocolaté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Danger. C'est peut-être là, hein, le truc qui... C'est la fin du câble, mais il manque un bouton. D'accord, je peux utiliser mon bouton, donc. Rien d'intéressant. Ah! Yes, un paquet de café. Ok. Ah oui, non, mais si je fais ça, je vais me squish la gueule. Alors, un bouton. Ah, la belle énigme. Et si je rappuie dessus? Non. D'accord, ok. Alors. Donc, je dessine mes trois boutons. Lui, c'est 1, 3. D'accord. Celui du milieu. Attendez. Voilà. Celui du milieu. C'est 2, 3. Ok. Je le remets. Et celui du 1, c'est 1, 2. Ouais, c'est ça. Classique. Ok. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 3. Attends. Bah, si on le fait un de chaque, normalement, ça marche. Par contre, ce que je me demande aussi, c'est... Ça fait quoi, ça? Ça les passe en rouge. Ça fait quoi s'il passe en rouge? Ça les immobilise!
Excellent! Bah voilà, j'ai juste à faire ça. Tac. Du coup, je refais la même chose. Voilà, et puis après, on fait 2-3. Easy. Voilà. Mais c'est tout nul, en fait. Ok. Alors. Ok, visiblement, il y a eu beaucoup de choses à noter. Ces boîtes sont... Ou alors, il y a beaucoup de représentants du silence. C'est pour ceux qui savent. Ces boîtes sont pleines de cartes d'identité d'employés de Sintra Corp. Qu'est-ce que c'est que ça par terre? Il y a des marques sur tout le mur, on dirait que quelqu'un compte les points. C'est des plantes par terre. Ah, regardez! Il y a une... il y a une guirlande. C'est ce qu'on voyait sur la... Voilà, c'est lui. Bah tiens, regardez. On y est. Apparemment, il y a un truc là-dedans. Alors, attendez! C'est un matelas sur le sol. Il y a plusieurs livres qui traînent autour. On dirait des livres sur le voodoo. Ah! On est dans la chambre de... Ou dans le bureau. Ah bah tiens, voilà. C'est pour ça qu'elle est cassée. Il y a une caméra, mais on dirait qu'elle est cassée. Je peux pas la remplacer. Je peux peut-être l'échanger avec celle que j'ai. Yes! Maintenant, la caméra fonctionne parfaitement. Yes! Est-ce que j'ai gagné une caméra cassée? Caméra cassée. Une feuille. Deux crayons. Oh! De toutes ces bougies et de ces crânes, il semble... De toutes ces bougies et de ces crânes, il semble important. Je me demande s'il ne cache pas quelque chose. Dois-je regarder derrière le tableau? Oh. J'ai pas eu un dessin similaire une fois. Je me souviens avoir déjà vu ça quelque part. D'accord. Je vais le noter. Vous savez quoi? Je vais le noter. Je vais le noter, parce qu'il me semble... Je vais le noter. C'est ça. Into ça. Into ça. 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 Un point, un point. Un point. Ouais, j'en ai pour 2 secondes, vous allez voir. Paf, paf, paf. On synthétise. Tac. 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 Et on fait... ça. Voilà, regardez. C'est pas magnifique, ça? Pouf. Allez, hop, là. C'est refait. Bim. Mieux qu'un F12. Allez-y. On dirait un symbole voodoo. Je ne vois rien d'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Attendez, parce qu'avant d'aller regarder là-dedans... Ah, yes! On va choper des trucs. Alors. Qui est la sorcière? Comme ça, on va voir le travail du corbeau. Hunter x Hunter. Ah bah non, c'était pas Hunter x Hunter. Le silence. Oh. Déjà vu, oui. sur une VHS. Oh. Ah mais oui, la VHS Ah. Mais oui, je suis con. Elle. Ah non, il est pas exactement pareil. Il est pas pareil. Mais il y ressemble. D'accord. Qui est la sorcière? Les sorcières sont censées avoir le pouvoir de posséder le corps d'autres femmes. Ceci, ajouté au secret de l'entreprise, fait que connaître leur véritable identité est un défi. Mais nous connaissons déjà toute la vérité. La sorcière est une fille qui s'appelle Domori. La famille Sintra l'a achetée au marché noir. Avant même de créer la société, et la garde est enfermée dans une des pièces de leur maison. Ah bah en fait, c'est peut-être la fille en blanc alors, peut-être sur le truc. Ils ne pouvaient pas contrôler leur énorme pouvoir, et cela s'est retourné contre eux. Maudit soit toute la famille et ce bâtiment. Où se cache-t-elle? Après plusieurs années à errer dans le bâtiment, Corvo est convaincu que la clé se trouve dans la maison de la famille Sintra. Ah merde. Bien que cela ait toujours été l'endroit le plus évident, personne n'a pu jusqu'à présent trouver quoi que ce soit d'étrange dans la résidence. Il semble que le chemin secret qui mène au repère soit protégé par un sort d'illusion très puissant. La magie voodoo est basée, est basée sur le contact avec le monde invisible et peut briser certains de ses sorts. Mais pas les plus puissants, cela ne serait possible qu'avec un outil d'une grande puissance magique. Comment la tuer? Corvo a obtenu la dague Atamé.
Le travail conjoint avec Moeta et Nazari a été essentiel, et leurs contacts à l'étranger ont trouvé la dague qui peut mettre fin à cette sorcière. Corvo est convaincu qu'avec elle, il peut aussi briser le puissant sort d'illusion qui bloque le chemin vers son repère. Et attention... Ah merde! Ah oui, non, merde. D'accord, ok. C'était juste pour nous indiquer que c'était ici qu'il fallait aller. Ok, deux piles. J'imagine que je vais retourner en arrière, il va se passer un truc, non? Ah non. Ok, peut-être pas, en fait. Cool. La VHS avec le dessin animé qui est passé au sommet. Hein? Qui est passé au Sobel? Je comprends pas. Ok, allez-vous. Je referme la porte. Ah, non, bon, d'accord, j'ai pas refermé la porte. Bon, bah, hein, voilà. Le truc tout en ligne, on voit que les contours. Le truc tout... Ah, oui, je m'en souviens, oui. Ah, dedans. Ah oui, c'est vrai. Dans la vidéo, on voyait aussi des trucs comme ça. Enfin, un truc comme ça. Peut-être bien, ouais, peut-être bien. Et du coup, je peux regarder... C'est peut-être ta fille en blanc, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi ils l'ont acheté au marché noir? Ok, bon, bah ça c'est fait. Bah peut-être que du coup, il faudrait que je retourne à l'IT et regarder ce que ça donne. C'était au 3? Oui, c'était au 3. Ok. Oh! J'ai jamais remarqué qu'ils me regardaient tous, là. J'aurais dû mettre la clé avant. Comment ça, j'aurais dû mettre la clé avant? Ah, remettre la clé... Ah, oui. Ah oui, c'est vrai, il l'a dit. Il l'a dit. Mémoire de poisson rouge, je vous rappelle. Oui, il faut que je remette la clé sous le pot. C'est vrai. Ok. Je vais reposer la clé. Déjà, oui. Replacer la clé sanglante. Vas-y. Paf. Ok. Est-ce qu'on va pas... Tiens, vous savez quoi? Je vais aller faire ma bouffe avant. Et peut-être la soirée, j'en sais rien. Oh, quoique. Non. Vous savez pourquoi non? Parce que je me souviens avoir vu une micro-scène de l'endroit, enfin du moment où il y a une fête apparemment, donc c'est peut-être ce moment-là, et il va se passer des trucs. Mais ça c'est dans le trailer quand j'ai acheté le jeu. Fait chier quand le trailer te spoil, donc du coup je sais qu'il va se passer un truc là-bas, enfin je me doute qu'il va se passer un truc assez important là-bas. Donc je vais plutôt continuer avec l'IT d'abord. Oh, ça fait chier quand le trailer te spoil comme ça. Allez, go. C'est bon. Donc c'est... Oh. L'étage 5. Donc on va retourner directement ici. Fast travel. Fast travel. Alors on s'en fout. Oh l'enculé. Oh calfou. Protéger trésor au moins. Hein? Ah, d'accord. Oh, calfou. Protège trésor moins. Protège trésor. Trésor moins. D'accord. Protège trésor moins. Oh, calfou. Protège trésor moins. Je me souviendrai de ces mots. Très bien. Ok. Tac, du coup je vais rechercher la clé. Bon, on va recommencer. On va le faire cette fois-ci. Ok. Très bien ça. Non. Dépense pas tes piles, toi. C'est du... Bah ça ressemble à du... Bah tiens, justement. Hommage à Toussaint. Ça ressemble à du... À du Cajun. Ou un peu cet accent-là. Bah non, j'ai pas la clé. Attends, je crois que j'ai pas... Mais attends, est-ce que j'avais fermé la porte? Je crois que j'avais pas fermé la... Est-ce qu'il l'a refermé automatiquement? Il l'a pas refermé! Allez hop, chais! Flemme. Ok.
Ok, danger. Oui. Tac. Allez, go. Dis-le. Oh, calfou, calfou. Poitèche, tu es homme. Quelque chose brille à l'intérieur. Dois-je rentrer? Oui. La dague! Yes! C'est la dague à Tamé? Vous avez la dague à Tamé? Il y a aussi un journal. Il est écrit « Peignez un serpent avec votre sang sur le mur, illusoire, et plantez-y la dague de la Tamé pendant que vous récitez le sort de Calfou. » Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour cela. Je devrais partir d'ici au plus vite. Et là, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer. Salut mon peluche! Attends, deux secondes. J'ai un peu peur. Non, ça va. Eh bien, j'ai fait aller à l'Oliade Agatha, mais... Qu'est-ce que j'étais censé faire avec elle? Ok, succès déverrouillé au Calfou. Ok, alors du coup, il faut que je chope la grande illusion. Alors, où est cette illusion? Où se trouve cette illusion? Ah là, pff, zéro idée. Est-ce qu'on ferait pas la teuf avant, d'abord? Peut-être aller voir... J'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va sauvegarder. Et je vais aller... on va descendre. Yes, regardez. La dague rituelle Atamé, qui sert autant d'armes que de protection contre les sorcières. Cool. Allez, bam! La tête. À l'étage 2 de la résidence, à mon avis. Ah, ouais! Là où il y avait le berceau! C'est vrai qu'on n'est pas allé, on n'y est pas allé. On va y aller vite fait. Ah! Salut! Ah bah elle va me forcer à aller à la fête, j'imagine. Pasternak, quelle coïncidence! Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Je viens de recevoir l'appel d'Hugo. Hugo? Il m'a dit qu'il était indisposé et qu'il ne veut pas que nous organisions de fête surprise pour son anniversaire. Ah, ok. Comment ça, ok? Tout le monde est dans la cafétéria et travaille aux préparatifs. Les cadeaux sont déjà achetés. Et j'avais même demandé à Doshi de faire sa fameuse danse du bâton. Lumineux pour nous. Je vois. Mais c'était pas grave, non? Elle peut être reportée. Bien sûr, Pasternak! J'arrive tout de suite! Vous me rejoignez? Eh ben voilà. Je pouvais... Oh, la dominatrice! D'accord! Quoi, Love? Tu as réussi à empoisonner la chouette dans le cimetière? À empoisonner? Non, ah oui, parce qu'elle buvait de l'eau. Non, pas encore. Je sais pas comment faire. Bon, on va y arriver, j'imagine. Pizza, chouquette. Ah, coucou. Joyeux anniversaire. Comment ça, joyeux anniversaire? Ah oui, non, mais joyeux anniversaire, mais c'est pas mon anniversaire à moi. Attention, tout le monde. Le navet blanc a de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Moi? Comment vas-tu, mon sel? C'est ça le peluche. Les somnifères, bah oui, putain. Bah oui, je suis con. Eh bien, Hugo est indisposé et dit qu'il veut pas de fête d'anniversaire. Je suis désolé pour le dérangement. Alors la fête est annulée? Je peux garder le cadeau? Oh là, oh le rat. Je sais pas, faites ce que vous voulez. Doshi ne vient pas? Eh ben, je pense que non. C'est des conneries, Navet. Je vais vous dire une chose, je ne vais pas gaspiller toute cette nourriture. Mais ça, c'est pas faux, ça. Ah, oh, y'a la waifu! Y'a Sosa! Y'a Sosa Pamu! Qu'est-ce qu'il y a, Sosa? Puisque tu as dit que la fête est annulée, tant mieux. J'ai presque crié de joie quand tu l'as dit, quel soulagement. Aimerais-tu connaître un secret? Je pense savoir pourquoi Hugo ne peut pas venir. Il est mort? Non! Je suis rentré dans le bureau F au 5e étage, et il s'avère que c'est là qu'Hugo cachait quelque chose de très important. Une arme pour... Vous savez... Hugo l'a volé à Air Corvo, d'une manière ou d'une autre, et il le garde pour se protéger. Et maintenant tu l'as? Ne me dis pas que tu vas tuer. Ou tu l'as déjà fait? Non. Pas
Pasternak, tu vas me donner une crise cardiaque. Contrôle-toi, s'il te plaît. Je n'ai encore rien fait. Et sais-tu qui elle est? Je veux dire, tu dois savoir à qui t'adresser, n'est-ce pas? J'ai une piste. Il semble que la sorcière soit une fille nommée Domori, qui vivait dans la maison de la famille Sintra. Sais-tu où elle se trouve? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il vivait au deuxième étage. Je ne sais pas grand-chose d'autre. Tametsu, il devine tout, il est incroyable! Deuxième étage. Son sourire. Elle est à la fois flippante et trop... et toute mignonne. On y va. Quoi, maintenant? Oh, désolé, je suis bête. Tu vas te préparer, bien sûr. Créer des allumettes magiques, des crucifix, de l'ail. Bien que ce soit pour les vampires, ça n'aura qu'un sens. Mais qui sait, il y a peut-être des vampires là-dedans aussi. Vous pouvez apporter des pieux au cas où et... Non! Je veux pas aller là-bas. Mais tu es un chasseur, Pasternak! Personne ne peut le faire à part toi! Je te fais con... Je te fais confiance. Je suis sûr que tu peux le faire. Oh! Mais oui! Je déteste mes clients, mais ça va. Sosa, mais oui. Pour l'exclamation, ça va. Câlin. Oh, merci, Cell. Ah oui, d'ailleurs, donnez vos chouquettes pour le... Ah oui, il y a boost de stream. Boost de stream. Bien sûr. N'oubliez pas le boost de stream. C'est un poids surmonté d'un crochet. C'est un poids surmonté d'un... Ah non, mais je voulais vous... Hugo. Oh, tous les cadales. Ok, bonjour. Non, pas de bonjour. Bon, bah, casse-toi. Non, pas bonjour. Putain, mais elle, quoi. La dominatrice. Vos yeux ont changé. Tu crois que tu peux le faire tout seul? T'as coupé mes vêtements? Planté un poignard dans mon corps nu? Je ferais mieux d'y aller. Elle est tarée. Oh, mais putain, mais pourquoi tu fais la vaisselle? Oh là là, mais ma pote. Putain, pizza. Yes. Pizza. Nouilles. Yes. Nouilles. Nouilles. Yes. Nouilles. Yes. Ok, je crois que j'ai fait toutes mes nouilles. J'ai fait toutes mes nouilles, d'accord. Je peux faire des sandwichs. Je peux faire deux sandwichs au fromage qui pue. On va faire deux sandwichs au fromage qui pue. Putain, mais ma pote... Sandwich. Sandwich fromage. Sandwich au fromage. Incroyable. Ah, attendez, j'ai du café. J'ai combien de café? J'ai combien de grains de café? J'ai 3 paquets et j'ai 2 de flotte. Ah merde, il manque un peu de flotte. Café. Café. Nice. Oui. Putain, cette voix de grand-mère, fameuse gravataire, on dirait les sœurs de Marge Simpson. Mais non. Allez, je dois aller jouer en temps d'état. Bonne soirée. Des bisous, mon sel. Ouais. Plein de gros poutous. Oh, attends, il y a la copine. Bonjour, Kate. Tu te sens mieux maintenant? Ah oui. J'ai bien récupéré, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es fait embarquer, toi aussi? Je suis venu voir s'il y avait du café et ils m'ont parlé de l'anniversaire d'Hugo. C'est vrai, le café. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Mais c'est dommage que la fête soit annulée, n'est-ce pas? Ouais. Bon. J'avais pas très envie non plus. Oh, je croyais qu'Hugo était ton collègue de bureau. Tu t'entendais pas bien avec lui? Pour tout te dire, non. L'annulation a donc presque été un soulagement. Alors, que t'y dis de ce café? Yes! Ok. Oh, trop chou! Petit café! Oh. Eh bien, goûtons ça. Le café est très bon! Yes! Oups, désolé. Tu as l'air inquiet, Brian. Tu penses toujours à quitter l'entreprise? Hein? Oh! Oui, bon... Y a-t-il quelque chose avec le travail? Non, eh bien... Oui. C'est lié à ma mission. J'ai tout ce dont j'ai pour le terminer, mais... Ah, c'est bien! C'est une bonne nouvelle, alors! C'est compliqué. Ma dernière mission n'est pas... normale. C'est en fait assez dangereux. Yes. Ouais, bon alors, je suis quasi en dispo et je vais pour votre... Ouais! Oui, j'ai vu mon peluche. Putain, tu m'as donné envie avec ta photo, enfoiré. Et pour être honnête, excusez-moi. Et pour être honnête, c'est que je ne pense pas être la bonne personne pour le faire. C'est drôle que tu dises ça, Brian. Parce que tu n'es pas à la hauteur.
J'en suis absolument sûr. Quelque chose de très similaire m'arrive. En plus de ce que tu dis, je pense toujours que le travail que je fais n'est jamais assez bon par rapport à mes collègues. Mais comment peux-tu penser ça? T'as un CV si impressionnant. Et toi? N'es-tu pas déjà le premier employé du mois dès le premier jour de travail? Oui, mais... Quel imbécile vous êtes! Oh putain. Qu'est-ce qu'elle va me faire, elle? Ce qui ne va pas chez toi, hein, non. Et je ne me souviens pas de ce que c'est. Mais c'est tout à fait normal. Tu nous espionnais? Ah, bien sûr, ma chérie. C'est si mignon. Que veux-tu dire par « c'est normal » Laissez-moi vous expliquer. Vous voyez ce type là-bas? Le blond, avec l'air suffisant. Quoi, il est... Oh putain, mais il est encore là, cet enculé! Vous pensez que ce type ressent la même chose que vous? Qu'il pense qu'il n'est pas assez bon pour son travail? Qu'il n'est pas assez bon dans ce qu'il fait? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Ce garçon pense que tout ce qu'il fait sera merveilleux. Il se croit capable d'accomplir n'importe quelle tâche. Qu'est-ce que tu regardes? Tu parles de moi? Maintenant, répondez-moi honnêtement. Vous pensez que vous valez moins que ce type? C'est bien cela, hein? Je peux vous assurer que tôt ou tard, il sera à la tête d'une entreprise. Ayez donc confiance en vous, car vous pouvez aussi le faire. Si vous mangez correctement, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous nourrir uniquement de café. Bisous. Oh, Sousa! En parlant de créatures accro au café. Qu'y a-t-il, Sousa? Tu veux parler, femme? Je ne vais pas te mordre. Oh, mais tu es bizarre, ma fille. Monsieur Pasternak, pouvez-vous vous approcher de l'ascenseur une seconde? Oui, bien sûr. Oh. Sousa et moi dans l'ascenseur. Tous les étages sont bloqués. Quoi? Tous sauf le deuxième. Quelqu'un vous oblige à aller au deuxième étage. Oh oh. Qu'y a-t-il au deuxième étage? Il y a... Des vampires. Des vampires? Merde, j'ai pas fait la bonne voix. Du genre Dracula. Mais tu veux dire des gens déguisés? Oui. Non. Un vrai Dracula. Mais pas un beau. Un très hideux. Ah, l'écoute pas. C'est juste que l'étage que je dois finir se trouve au deuxième étage. Ah. Ok, allons-y. Non. Il préfère que t'attendes de quelqu'un, que quelqu'un répare l'ascenseur. Je t'aiderai à faire tes tâches. Quoi? Tu m'as aidé plusieurs fois, je t'en dois. Non, vraiment, c'est pas que je veux pas de ton aide, c'est juste que... Allez, allons au deuxième étage et tu m'expliqueras à quoi il s'agit. Attends, c'est juste très compliqué à expliquer, en fait, je ne peux pas te le dire. Tu peux pas me le dire? Je suis désolé, Kate, mais il m'a interdit de révéler ce que je dois faire aux autres collègues. Bien, ne me dis rien. Je vais quand même t'aider. Oh, trop chou! D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit plus compliqué que de trouver des employés à quatre pattes d'éviter les filles des ressources humaines ou d'aller dans le gaz toxique. Je suis prête. Lorsque tu veux y aller, appuie sur le bouton du deuxième étage. Oh, elle est trop chou! Yes! Avant d'y aller... Et paf, et ils sont... Game over. Avant d'y aller... Oh, putain! Yes. 5 crédits pour faire une offrande. Mais il est cassé, ça ne devrait pas être compliqué à réparer. Hé, attendez! Je peux pas utiliser mon tournevis? Oh yes! Vous avez utilisé le tournevis. C'est un câble qui a été mal fixé, ça devrait fonctionner maintenant. Bah yes! Nice! Ça marche! C'est vide. C'est un poids surmonté d'un crochet. Encore? Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? Oh! C'est les sandwichs au fromage? Je m'inquiète pour Hugo. T'inquiète pas, je suis sûr que c'est bon. J'attends cette fête depuis longtemps, c'est tellement bizarre qu'il ne puisse pas venir. Hé, hey, tu ne manges pas? Tu n'as que la peau sur les os. Oh, merci. Hé, hey, connard! Quelle fête ennuyante, on se croirait à un enterrement. Elle est annulée. Bon d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas pas être en train de me donner une promotion? Allez, vas-y, on se casse. Attends, il y a pas une... Ah non, il y a pas de save ici. Bigre. Il n'y a rien d'intéressant. Et il manque un peu de flotte. Et hop, papa. C'est vide. D'accord. Allez, let's go. Let's go deuxième étage. Let's go deuxième étage. Mais pas pour toi, YouTube.
Eh oui, bah du coup, et désolé pour toi, mais tu devras attendre la prochaine VOD, hein. Et j'espère que tu as kiffé celle-ci. Cette petite fête d'Hugo annulée, c'est un petit peu... c'est du fin gourmet. C'est pour du fin gourmet. Allez, en tout cas, j'espère que tu as kiffé cette VOD. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, à la partager, à mettre un pouce. Je te fais pas une bouche. Je te dis à la prochaine. Ciao.